Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est H, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va vraiment parfaitement bien aujourd'hui et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel comment monter master voire même champion en étant HDV8 ou HDV9. Je sais que ça peut être très périlleux et donc aujourd'hui je vais vous donner les clés pour monter aussi haut. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que en étant HDV8 ou HDV9 vous allez perdre pratiquement toutes vos défenses. Alors vous pouvez voir actuellement une défense de Thunder Golem qui est un membre de War Army. D'ailleurs je le félicite d'être monté aussi haut et de m'avoir partagé sa défense. Mais voilà, il faut énormément de temps pour monter champion ou master même en étant HDV8, etc. Mais voilà, lui il a un défaut de Thunder Golem. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis son HDV8 à l'intérieur de son village. Et ce qu'il faut faire justement c'est le mettre à l'extérieur avec toutes les ressources. Comme ça après s'il y a des farmers qui farment en champion, s'il faut ils vont juste voler votre HDV et vos ressources. Et après ils vont partir et à ce moment là vous allez perdre que 10 trophées. Alors que lui à chaque fois il se prend que des 100% et il perd 40 trophées voire même 30 trophées et de temps en temps 50 trophées. Donc voilà, ça peut être vraiment assez chiant. Surtout sur les revanches, surtout que les personnes, par exemple là vous voyez un HDV9 qui l'attaque, il lui fait 100% et vous allez voir qu'il va perdre 31 trophées, voilà, juste parce qu'il a rentré son HDV. Et après pour regagner ces 31 trophées ça va être vraiment très périlleux pour lui. Il va devoir faire minimum 5 ou 6 attaques en restant connecté pendant 3 heures d'affilée. Et ça c'est vraiment très difficile pour lui. Alors maintenant vous voyez une attaque réalisée par Marin qui lui est HDV9 et qui attaque un HDV10 qui est pas mal, presque maxé. Donc en fait ce qu'il a utilisé comme technique Marin, c'est utiliser la technique du grattage. En fait ce qu'il faut faire c'est utiliser Full Archer plus Full Sort de Full et Château de clan avec les héros bien sûr. Il faut trouver un village qui a des bâtiments qui sont assez exposés. Et après si vous avez environ 40% de bâtiments dehors, vous essayez de détruire 10% de bâtiments qui sont à l'intérieur des remparts. Et après voilà, comme ça en grattage vous gagnez 5-6 trophées par attaque. Et c'est comme ça que vous pouvez arriver à monter champion. Alors vous voyez qu'en fait lui c'est assez chaud, il est à 40% et il ne reste plus que ses héros, son château de clan et ses sorts. Et il a fait la bêtise en fait d'envoyer ses héros au même endroit. Moi j'aurais pas du tout fait ça, j'aurais plutôt envoyé mon roi vers le haut du village pour qu'il arrive à voler la mine d'or. Mais finalement il a extrêmement beaucoup de bol car il y a le roi qui se prend tous les dégâts et du coup la reine peut destroy dans son dos sans rien se prendre. Et ça c'est vraiment pas mal. Et vous voyez ensuite qu'il lui reste quelques petits sorts de foudre et qu'il lui reste plus que 4% à faire pour pouvoir gagner des trophées. Alors avec intelligence il foudroie les socles du roi et de la reine, ça fait 49% avec la cabane d'ouvrier qui elle aussi est détruite. Et il remarque qu'il y a la tour d'archer qui a plus beaucoup de points de vie, du coup il décide de lancer le tout pour le tout, le dernier sort. Et voilà, ça fait 50% avec la tour d'archer qui est détruite. Maintenant je vais vous donner les compos pour monter plus facilement master ou champion. Donc pour être HDV8 et monter master voire même champion c'est très simple, il faut utiliser le full dragon avec 3 sorts de foudre. Ou alors 2 sorts de rage et 1 sort de soin. Vous pouvez toujours utiliser le full archer avec 3 sorts de foudre. Mais c'est quand même très périlleux. Surtout que vous n'avez pas forcément énormément de place dans vos camps quand vous êtes HDV8. Si vous êtes HDV9, vous pouvez toujours utiliser le go wipe avec 1 rage, 1 soin, 1 foudre. Et 1 rage, enfin plutôt 2 rage, 1 soin, 1 foudre. Ou alors 2 soins, 1 rage, 1 foudre. Comme vous voulez, vous pouvez vous adapter en fonction du village que vous recherchez. Et après vous pouvez aussi utiliser le full archer avec 4 sorts de foudre si vous êtes HDV9. Surtout n'oubliez pas de prendre vos héros et d'avoir vos sorts parce que ça peut être vraiment très décisif. Si vous prenez juste 220 archers, vous êtes sûr de vous fail, surtout si vous voulez monter champion. C'est impossible avec 220 archers de monter. En fait ce sont les sorts, les héros et le château de clan qui vont être vraiment déterminants. Alors après vous pouvez toujours utiliser le full archer avec 3 sorts de foudre ou 4 sorts de foudre si vous êtes HDV9, ça dépend, vous vous adaptez. Après si vous voulez faire du full archer avec 2 rages de soins, ça marche aussi hein. Mais je vous conseille honnêtement de gratter les pourcentages avec des sorts de foudre. Surtout n'oubliez pas vos héros, votre château de clan et vos sorts quand vous attaquez. Parce que si vous prenez juste 220 archers ou même 240 archers, ça marchera jamais, vous pourrez jamais faire 50% sur un HDV10 ou même sur un HDV9. Donc surtout soyez vigilants et soyez patients. C'est vraiment le conseil que je vous donne pour monter le plus haut possible et le plus facilement. Voilà, donc si vous voulez le tutoriel comment monter master voire même champion pour HDV7, vous me lâchez 150 likes et je vous le mettrai. 150 likes, c'est donc ce que j'ai besoin pour mettre la nouvelle vidéo. C'est tout ce que j'avais à vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et aussi à la commenter. Et je vous dis à la prochaine, à bientôt.